Bonjour, bonsoir à tous, c'est Richter57. Alors, je suis content de vous re-retrouver, on va dire ça comme ça. Alors en fait, je réupload une vidéo parce que je viens de remarquer que sur ma précédente vidéo concernant cette présentation de Castlevania 2, je viens de remarquer qu'il manque des choses. Alors je suis le premier surpris, parce que pourtant j'avais revisionné avant d'encoder et d'uploader, enfin bref. Et puis je vois qu'il manque des scènes que je voulais vous montrer du jeu, pour vous montrer un peu le gameplay, un peu plus. Je vois que l'audio, il y a des parties où c'est plus élevé que d'autres, alors que pourtant j'avais essayé de j'avais essayé de mettre au même niveau. Donc voilà, j'avais essayé de mettre au même niveau, et pourtant je vois que il y a des moments où on entend moins bien, il y a des moments où on entend plus fort. Bon bref. Donc voilà, donc concernant ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est plus un clin d'œil qu'une rétrospective. Donc je vais à peu près dire le même contenu que ma précédente vidéo, en étant un peu plus précis. Donc il faut savoir que Castlevania, c'est une série qui a, bon, comme je l'avais dit, qui a environ 30 ans. Donc c'est sorti au milieu des années 80, et c'est sorti sur tous les supports. Je crois que chaque support a eu son Castlevania, à part les supports bien sûr, Jaguar, etc. Mais là on parle même plus de console de jeu, on parle de... Franchement, une Jaguar, c'était... Enfin, voilà, quoi. Pour ceux qui connaissent le monde du jeu vidéo, une Jaguar, c'était... C'était des mecs qui avaient rien à voir, qui disaient 64 bits et ils espéraient vendre des consoles, quoi. Mais enfin, bref, je m'égare. Donc, pour en revenir à ça, donc, ce qui est important, c'est vraiment l'évolution de la saga. Et le gameplay, en fait, il s'est enrichi au fil des opus. À atteindre le niveau de gameplay vraiment qui est complet au jour d'aujourd'hui. Enfin, ça évoluera encore avec les prochaines générations de consoles et les prochains jeux. Mais au début, c'était un scrolling simple, en vertical, horizontal, avec quelques options dans les chandeliers, quelques armes secondaires. Voilà, au niveau de la palette de mouvement, on va dire. Et au fur et à mesure, quand on arrive sur la version PSX, DS, on peut faire plus de choses. On a un menu avec des items, des équipements, des points d'expérience, etc. Et quand on arrive aux versions Lord of Shadow, donc Lord of Shadow 1, Mirror of Fate ou ce Lord of Shadow 2, on a de la magie de l'ombre, de la magie du néant. On a sur ce Lord of Shadow 2, on a une contre-attaque, on a la possibilité de... Il y a une phase d'infiltration dans le jeu, mais ça vous le verrez après. On a la possibilité de prendre possession de certains ennemis, on a la possibilité de se métamorphoser, on a des dagues, etc. Il y a encore un menu secondaire, enfin après n'ayez pas peur, en pensant qu'il y a des menus partout. Hein, c'est... De toute façon le jeu a un très bon tutoriel, mais là je vois que je m'égare du clin d'œil et que je commence déjà à parler du jeu. Donc au niveau de ce clin d'œil, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un Castlevania sort sur une machine, il fait partie au minimum du top 3. Ce Dracula X que vous voyez devant vous, honnêtement, la Super Famicom, elle a énormément de jeux, il fait partie du top 3. Parce que c'est un jeu que j'ai encore une Super Famicom, et c'est un jeu que de temps en temps, je me fais une petite partie. Le gameplay est vraiment très très bon, la réalisation est vraiment superbe. Enfin bref, voilà, pour ceux qui ont une Super Famicom et qui n'ont jamais joué, et qui aiment les Castlevania, honnêtement, prenez-le. Hein. Niveau rétro, franchement, je pense pas qu'on y... à part la version PC Engine, bien sûr, mais bon, enfin bref. Ce que je voulais vraiment préciser, c'est que à chaque fois qu'un Castlevania sera sur un support, déjà il fait partie des meilleurs jeux de la machine, et surtout ils exploitent vraiment le support sur lequel ils tournent. La réalisation, elle est à chaque fois impeccable. L'OST d'un Castlevania, la réputation, elle est plus à faire. Là, sur la version DS que vous voyez, il y a encore des mélodies que j'ai en tête, et pourtant le jeu, je l'ai fait, il est sorti il y a combien de temps? 7-8 ans. Celui-ci, il a dû sortir, il y a 6-7 ans, en même temps que la première DS, en fait, à peu près. J'ai encore des mélodies en tête. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que l'OST d'un Castlevania, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque intemporel. Ensuite, niveau graphisme, rien à dire. Niveau scénario, le scénario a énormément évolué aussi. Forcément, par rapport à la technologie sur laquelle l'opus sort, évidemment, les cinématiques sont de plus en plus complexes, de mieux en mieux réalisées. Quand vous voyez rien que... la trame scénaristique qui a derrière en fond, qui est de ce Lord of Shadow 2,
ben ça vous met direct dans l'ambiance. Hein. C'est, vous voyez bien qu'il y a vraiment un scénario appuyé et que ça a une place ben, importante dans le jeu. Pareil pour le Lord of Shadow 1, etc. Alors concernant ce que la petite critique, enfin la petite réflexion que j'avais mentionné dans la première vidéo, enfin dans la V1 on va dire, franchement quand je vois des gens qui, quand j'achète un jeu, ou quand il y en a qui pensent qu'on est des gamins, ou enfin bref, comme je disais, moi honnêtement, quelqu'un qui me critique parce que je claque 5, 10 euros, des fois 15 ou 20 euros dans un jeu, ou même 60 euros ou 100 euros, enfin bref, mais il y en a, une cartouche de clopes ou un paquet de clopes et un jeu, ben je préfère 100 fois acheter un jeu, 1000 fois, 1 million de fois, c'est 1 million de fois plus utile d'acheter un jeu vidéo que des cigarettes. Donc voilà, honnêtement, il y a des jeux PS2, Wii, n'importe lesquels, il y a des jeux PS2, n'importe quel support, PS2, PS3, Wii, Wii U, Xbox, ce que vous voulez, Nintendo 64, il y a encore des très très bons jeux qui coûtent moins cher que des clopes, qui coûtent même moins cher qu'un pot de roulé. Donc voilà. Enfin, on va se retrouver pour la seconde partie de la vidéo, donc à savoir le test de ce Castlevania 2. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur ce Castlevania Lord of Shadow 2? Eh ben, que c'est du très bon. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment compliqué de bien structurer. Ben de bien structurer chaque partie de mon test, parce que c'est dur de ne pas trop se répéter, etc. Enfin bref, donc déjà première chose, l'action. Et l'action dans ce jeu est vraiment intense. Vous avez des phases d'action qui sont entrecoupées de phases de scénario, mais vraiment orchestralement bien fait, j'ai envie de dire. Alors j'en sais rien si ça se dit ou non, il y en a, ils pourront me vanner dans les commentaires ou non, j'en sais rien, mais c'est vraiment super bien fait, parce que ben les phases d'action sont entrecoupées de cinématiques mais sans que ça casse l'action. Et c'est ça qui est fort. Alors pour ceux qui ignorent un peu ce qu'est Castlevania, les gens connaissent le cinéma, par exemple quand vous allez voir un film comme Avatar, est-ce que j'ai besoin de préciser la qualité du film? Non. Eh bien, il faut comprendre qu'il y a des gens, ils font la même chose, la même qualité de travail, mais en faisant des jeux vidéo. Et c'est ce que vous voyez là, l'écran par exemple, ce Castlevania-là. Si on devait faire l'analogie par rapport au cinéma, ça serait un jeu de la cabine d'un Avatar. Le 1, pareil, hein, Lord of Shadow 1, dans le Mirror of Fate, je l'ai en stand-by. Mais j'en suis sûr que c'est la même chose. Il faut bien se rendre compte que oui, il y a des gens qui pensent les jeux comme sont pensés les films, qui passent autant de temps, autant de travail et qui ont autant de compétences dans leur secteur. Et c'est ça le jeu vidéo. C'est vraiment un produit culturel et travaillé, fourni. C'est-à-dire, quand vous voyez la scène qui est à l'écran là, où Gabriel subit une attaque, en fait vous subissez une attaque contre votre château, eh ben, il faut comprendre le travail en amont, la réalisation qui a été nécessaire à ça. Ça a été même pensé pour que l'action est pourtant coupée de phase cinématique, et pourtant, eh ben, ça vous immerge encore plus dans le jeu. Il faut voir comment les plans ont été choisis. Et quand vous voyez ben, un travail comme ça, ça force le respect, parce que ben, les gens-là sont vraiment des artistes, c'est vraiment, pour moi, c'est vrai, et ces jeux-là sont vraiment, je vous ai dit, il y a 30 ans d'expérience sur que du bon. Voilà, après, j'ai pas envie de me répéter ou quoi au caisse, mais il faut y jouer pour s'en rendre compte, et je vous assure que la prise en main, c'est fait pour être facilement pris en main. Le jeu a une durée de vie qui est assez longue, donc j'ai mis entre 25 et 30 heures pour le terminer. C'est vrai que j'avais dit que j'étais un gros gamer, mais si vous voulez, il y a le mode facile. Pour quelqu'un qui a jamais joué à un jeu, vous pouvez mettre en mode facile, il n'y a aucune honte, vous pouvez parcourir le jeu, etc. Vous verrez. Et quand vous comprendrez, quand vous verrez, et ben comme il y a un travail qui est fait pour que ben, vous immergez dans le jeu, quand vous verrez la qualité des dialogues, la qualité de la mise en scène, je parle pour ceux qui vraiment découvriraient cette vidéo, qui découvriraient le monde du jeu vidéo,
Voilà, c'est pour ceux qui ignoreraient ce qu'est Castlevania, voilà, je parle pour eux. Alors, pour ceux qui connaissent, maintenant, il y a quelque chose qui risque un peu de les souffler ou de les étonner. Alors, ça m'a vraiment étonné, moi, je suis vraiment un fan de la saga, donc c'est que le jeu se passe à une époque contemporaine. C'est-à-dire que vous allez vous promener avec Gabriel en ville. Et sur la partie qui est en ville, donc ça correspond à la moitié du jeu, hein, et ben vous avez un côté infiltration en plus. Par rapport à... Alors déjà, les fans de Castlevania vont se dire « Hein, on joue en ville ?» Mais en plus, il y a un côté infiltration. Donc, j'ai aucune envie de vous spoiler le scénario sur pourquoi vous devrez infiltrer telle ou telle chose. Ça, c'est à vous de jouer, à vous de... c'est pour ça que je reprends aussi plusieurs fois mes... Alors, je sais pas si je l'ai parlé dans ma première vidéo ou non, mais ça, si j'en ai parlé, je m'en excuse, et j'espère que si vous regardez cette vidéo-là, je vous déconseillerais de voir la première, parce que le contenu est assez... Le contenu est légèrement différent, mais il y a un peu plus de spoil dans la première vidéo. Mais, donc j'en reviens par rapport à ce côté infiltration. Le côté infiltration est vraiment bien fait. C'est une grosse prise de risque, entre guillemets, parce que les gens vont se dire, Castlevania, non, on aime comme ça, mais je vous assure... Et bien que le côté infiltration, le côté contemporain en ville, etc., ça a été vraiment super bien fait et la saga a encore évolué et gagné en richesse. Ensuite, le second point important, c'est l'immensité du jeu. Alors déjà, il est super beau, ça j'y reviendrai, mais il est vaste. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est la moitié du jeu. À peu près. Hein. En plus, il y a encore du contenu additionnel. Hein. Enfin, contenu additionnel. Oui et non. On va dire, il y a des sortes de quêtes annexes. Normalement, c'est pour les RPG qu'on dit ça, mais vous avez encore des défis. Donc, c'est-à-dire, vous voyez à un moment donné le Chupacabra. J'aime bien dire le Chupachups. Vous avez le Chupachups qui vous permet d'accéder à une zone du jeu où vous avez des défis. Donc, déjà, le jeu est super vaste. Le jeu est super beau. Et en plus, vous avez du contenu, vous avez du challenge. Donc voilà. Par rapport au graphisme, vous avez juste à regarder ce qu'il y a là à l'écran. Rien que les détails, parce que c'est au niveau détail, c'est quand même fourni. Hein. Alors, franchement, leur moteur est vraiment bon. Surtout qu'ils s'en servent en plus pour les cinématiques. Mais c'est ce que vous allez voir. Hein, les cinématiques sont faites avec le moteur du jeu. Bon, ça fait déjà quelques années. Hein, depuis Metal Gear Solid 4, je pense que c'est... La plupart des cinématiques sont faites avec le moteur du jeu, même avant déjà. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que... La qualité, le rendu que ça donne, c'est par rapport à la PS3, on va dire, milieu de vie de la PS2, que ça commence à prendre son emploi. Ensuite, au niveau de l'ambiance. Je vous ai dit, déjà, la mise en scène est hallucinante. Mais l'ambiance, écoutez-moi juste ça. Grosse particularité de cet opus-ci, c'est que ce Castlevania transmet de la peur. Moi, personnellement, j'ai la trentaine. Après, est-ce que parler de peur, c'est vraiment précis? On va dire que ça transmet... Il y a des moments où c'est vraiment, on se sent vraiment oppressé. Angoissé, oppressé. Et c'est assez inhabituel pour ce type de média. Donc voilà pour la partie gameplay. Donc la partie gameplay. Je suis désolé, je suis fatigué là, je viens de faire une petite pause. Donc voilà pour la partie ambiance. Ambiance du jeu. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est surtout pour préciser que l'ambiance a évolué et qu'elle est devenue plus sombre. Donc voilà.
Ensuite, au niveau du gameplay, donc de toute façon, les Castlevania ont un gameplay très très riche. Et celui-ci, pareil, il a encore quelques touches en plus, donc il a encore évolué sur ce côté-là. Et on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc Gabriel a un équipement qui évolue, et en fonction de ça, comme vous avez vu à l'instant, vous pouvez accéder à certaines zones. Ensuite, au niveau panel de coups, donc vous avez vraiment beaucoup beaucoup de coups. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous gagnez en expérience au combat. Et en fonction de ça, forcément, vous avez un panel de coups qui s'enrichit. Il faut savoir que vous avez trois armes, donc le fouet, l'épée et les points du chaos. Ensuite, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est pareil, j'aimerais bien que vous puissiez découvrir. Il y a la possibilité de contre-attaquer dans le jeu, donc vous pouvez faire un contre et attaquer juste derrière. Vous avez accès à des options, donc vous pouvez récupérer de la vie, ralentir les ennemis. Ils ont même fait évoluer, c'est ça qui est... Il manque plus que les têtes de méduse. Parce que honnêtement, ils ont quand même gardé beaucoup de choses de la série. Enfin, ça fait plaisir. Parce que au niveau des options, vous pouvez vous arrêter plus le temps maintenant. Mais quand vous touchez les ennemis avec votre fouet, vous les ralentissez de plus en plus. Et voilà, moi, je trouve vraiment ça pas mal. Enfin bref, voilà. Ensuite, je pense qu'on va conclure. Donc en fait, c'est du 22, du 23 sur 20, idem. De toute façon, je vous avais dit que je testerais que des bons jeux. Donc forcément, ce Castlevania, j'allais vous le présenter. Enfin, la série Castlevania sur PlayStation 3. Alors, je suis vraiment content qu'il y ait trois opus. Parce que la combinaison des trois, c'est... Voilà, le Lord of Shadow m'a vraiment, quand je l'ai découvert et j'ai redécouvert la série, j'ai vraiment pris une méga claque. Et dans quelques années, je me le referai, peut-être même d'ici quelques mois. Parce que ça fait un moment que j'y ai joué et vraiment, c'est surtout pour vous dire en fait que la combinaison des trois, ça fait une sacrée saga. C'est... Le 1 a un côté plus traditionnel, Castlevania traditionnel, on va dire. Celui-ci est plus moderne, avec des choses qui ont évolué. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est l'absence de... On peut plus s'accrocher avec le fouet. Alors ça fait bizarre. On peut plus s'accrocher avec le fouet. Et on peut... Ah oui, alors, et l'évolution qui aurait été sympa avec, c'est de pouvoir croquer les ennemis quand ils sont au sol. Parce que je trouve que ça casse un peu l'ambiance quand on doit attendre qu'ils se relèvent. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. Je suis désolé sur la fin parce que je commence à avoir un peu de mal, je suis fatigué. Et parce que c'est quand même beaucoup de travail une vidéo, enfin je vais pas vous raconter ma vie. Peut-être je ferai une vidéo pour montrer comment on fait, qu'est-ce que j'utilise, comment je fais, etc. Mais ça sera vraiment plus tard. Donc voilà. Écoutez, on va se retrouver. Donc je vais être beaucoup plus régulier dans mes vidéos, comme je vous l'ai dit. On va se retrouver d'ici deux semaines, peut-être même un peu moins. Alors j'avais précisé que je ferai une chronique sur l'art et le jeu vidéo. Donc en fait, j'ai commencé à préparer ce que j'allais faire. J'ai commencé à me documenter, etc. Et il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Alors en fait, ça va être découpé en trois vidéos minimum. Minimum, je pense que ça va être découpé en trois vidéos parce que je vous ai dit, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo. Pour moi, c'est une passion, c'est le 8e art. Je vous ai fait l'analogie tout à l'heure en début de vidéo entre Avatar et ce jeu-là. Et pour moi, c'est exactement ça parce que c'est des gens qui... Vous prenez les meilleurs cinéastes au monde, et ils ont leurs frères jumeaux dans le jeu vidéo, quoi. C'est vraiment ça. On se retrouve d'ici deux semaines, même moins, pour alors soit la première partie du jeu vidéo et l'art, soit un test. Je sais que je vous avais dit que la vidéo sur l'art viendrait après ce Lord of Shadow. Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose de qualité. J'ai vraiment envie de uploader quelque chose de bon, d'intéressant. C'est vrai que j'ai peu de vues et ça me dégoûte. Enfin, ça me dégoûte, je m'en fous, en fait, à vrai dire, je m'en pète. Mais j'ai du mal à comprendre comment fonctionne le système, en fait. Ça me dégoûte, oui et non, c'est que ça me ferait chier de faire une super vidéo. En fait, je vous explique pourquoi. Est-ce que c'est intéressant que je...
Ouais, bon, je vais rajouter des images du jeu, etc. Mais en fait, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai peut-être été traumatisé par le monde du travail, peut-être, hein, mais j'aurais vraiment la hantise de faire des super vidéos. Parce que moi, j'ai l'impression que mes vidéos sont très bonnes. J'aurais la hantise de faire des vidéos, de me faire pomper ce que je fais, et qu'ensuite, il y en a qui en profitent pour présenter des jeux de merde. Et franchement, ça ferait vraiment chier. Idem pour la vidéo sur l'art. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment... Je pense que je vais commencer vraiment à envoyer du contenu quand je vais commencer à avoir des vues. C'est pas une histoire d'être connu ou quoi, sinon j'aurais déjà mis ma tronche. C'est vraiment le fait, je vous ai dit, j'ai aucune envie de me faire pomper de me faire pomper mes vidéos par des mecs qui après risquent de surfer sur le truc et de proposer de la merde, quoi. Voilà, moi je fais ça vraiment par passion parce que j'aime le jeu vidéo. Après, j'ai aussi du mal à comprendre que ça puisse déranger certains qui en aient, qui fassent un travail qui leur plaît, qui gagnent de l'argent, et même s'ils en vivent bien, tant mieux pour eux. Personnellement, et c'est pas parce que j'ai envie d'avoir des sous, forcément, etc., ça je m'en pète, parce que j'ai déjà une collection, oui et non. Moi, si ceux qui font ça avec passion, c'est des gens qui aiment le jeu vidéo, s'ils gagnent de l'argent, moi je mets ma main à couper. Et bien, qu'ils achètent des jeux, des anciens, des nouveaux, et qu'ils les conservent. Parce qu'il y a aussi une question de conservation du patrimoine vidéoludique. Enfin, bref. Donc, j'ai fait un gros aparté là. Enfin, bref. Donc, on se retrouve d'ici 2 semaines. Un peu moins, donc je vais voir. Je pense que ça va quand même être un test. Alors, j'ai bien envie de vous présenter un peu des jeux de chez Nintendo. Alors, j'attends sur quelqu'un qui me prête une Wii U parce que j'ai vraiment envie de vous montrer Super Mario 3D World. Et je ferai une chronique aussi, pareil, alors quand je l'aurai sous la main avec plusieurs jeux. Mais j'ai déjà un avis sur la Wii U et sur la Next Gen. Et j'aimerais bien m'exprimer là-dessus. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc les chroniques, elles vont sortir quand même. Là, je vais être plus régulier. Donc voilà, bref, je suis désolé d'avoir eu un petit coup de gueule, mais c'est vrai que quand je vois des jaloux... Pourquoi ça les dérange, alors qu'il y en a à la télé qui foutent rien, qui font de la merde, qui font de la... J'ai envie d'utiliser le mot déculture, et je pense que je l'utilise à juste propos. Il y en a à la télé qui font de la déculture, voire pire, pour ceux qui ont une capacité de réflexion et verront de quoi je parle. Et ils sont payés, et même très très bien payés. Mais là, pour certains, c'est normal. Mais si un youtubeur il arrive à gagner de l'argent, là, on dirait qu'il y a un problème. Non mais franchement... Voilà, ça me fait toujours penser à cette phrase de Van Damme. Alors il y en a beaucoup qui se foutent de sa gueule, mais Van Damme avait dit, dans une interview que j'avais vu quand j'étais môme, alors il expliquait la différence entre envieux et jaloux. Et il disait simplement que, en gros, hein, je résume, que jaloux c'est pourri, jaloux en fait, oui, jaloux c'est quelqu'un qui va rabaisser même la personne pour pouvoir se croire au-dessus. C'est pourri, hein, voilà. Et alors que quelqu'un d'envieux, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, c'est simplement quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, et quand il voit que pour quelqu'un ça peut marcher, il se dit tiens, ça marche, et j'aurais bien envie que ça marche pour moi. Et en mettant les moyens, en travaillant, en se documentant avec les moteurs de recherche qu'il y a aujourd'hui, etc., on a la chance d'être une génération qui a énormément d'accès au savoir, au contenu. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention à quel contenu on a accès, parce qu'il y a aussi pas mal de bullshit, etc. Mais on a quand même un accès plus aisé à la connaissance. On acquiert de l'expérience, on travaille, et quand on est vraiment motivé, on arrive à faire quelque chose. Donc voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, là, dans moins de 2 semaines, pour un test surprise. Je vais vous faire une petite surprise. Donc voilà.